À tous les amis, c'est le fou magistral tout simplement. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification et à me dire en commentaire si vous voulez le même épisode, mais avec les skins de téléphone ou les objets de collecte rares. Donc tout simplement, ce n'est pas un top, c'est juste pour vous dire que bah, lesquels de skins sont très rares. Et si vous l'avez dans votre casier, vous avez de la chance. Donc moi, je vous laisse avec la vidéo et ciao ciao. Donc les petits potes, tout simplement, on se retrouve avec tout simplement les skins les plus rares. Donc à la base, je voulais pas mettre ma voix, mais bon, pour l'explication, ce serait mieux. Donc on va commencer avec le premier skin sans plus tarder. Je me suis dit, est-ce que je le mets ou pas dans le top? Mais je l'ai quand même mis. Pourquoi? Parce que il est quand même assez rare à mes yeux. Parce que si j'aurais pas mis, on m'aurait dit non, il est rare finalement, mais en fin de compte, il est pas rare, donc j'ai préféré quand même le mettre. Donc c'est un skin de téléphone, je vais vous l'afficher à l'écran, tout simplement, c'est le skin Galaxy. Donc le skin Galaxy qui est assez joli, on va pas se le cacher, qui est assez rare, qui est assez dur à avoir aussi, il est assez tryhard aussi, il est beau. Donc c'est pourquoi il s'appelle le skin Galaxy, parce qu'il vient de la galaxie, je sais pas, bon vraiment... Je sais pas trop, mais voilà, donc ce skin est quand même pour moi assez rare, donc c'est pas une place hein. Genre c'est pas une vidéo top, c'est une vidéo où je vous donne les skins les plus rares. C'est pas un skin, c'est un skin rare, mais voilà. Donc pour le deuxième skin, j'ai mis la Renegade Rider. Donc la Renegade Rider, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un skin très très rare. Donc c'était un skin qui était disponible dans la boutique de la saison 1 saisonnière. Donc il fallait être niveau 20 pour l'acheter. Donc si vous étiez pas niveau 20, vous pouvez pas l'acheter dans la boutique. Il n'est plus jamais revenu. On ne sait pas pourquoi. Pourtant il a quand même un look, moi j'aime bien. Je vous le mets tout de suite à l'écran. Et genre je sais pas. Il fait vieux mais il est quand même beau. Donc voilà. Donc en troisième skin, on a tout simplement le skin Aérostier. Donc le skin Aérostier, c'est un peu le skin Renegade, sauf il est masculin. Donc je l'ai mis parce qu'il est assez rare. On m'a dit qu'il était très rare même. Et donc si vous l'avez dans votre casier, vous avez énormément de la chance. Je vous l'affiche à l'écran. Donc pour le quatrième skin, on va partir dans les skins d'Halloween. Donc pour les skins d'Halloween, clairement, j'ai mis le School Trooper. Donc le School Trooper, vous allez me dire, mais non, c'est pas un skin rare. Mais le School Trooper en version violette est très rare apparemment, parce qu'apparemment il est sorti, lors de la boutique d'Halloween 2017 et 2018. Sauf que les gens en 2018 qui l'avaient acheté en 2017 étaient déçus parce qu'il perdait de sa valeur. Donc ceux qui l'avaient acheté en 2017 ont eu une comment on appelle ça, un style en plus violet. Donc les os ne sont pas blancs, ils sont violets. Donc je vous l'affiche à l'écran. Donc c'est un skin qui est très beau, moi je kiffe. Il représente bien Halloween comme le prochain skin. Donc je vais vous parler le prochain skin tout simplement les amis, c'est le skin Ghoul Trooper. Donc Ghoul Trooper qui est un skin rare, moi je croyais pas qu'il était rare et finalement il est rare. Et ce skin il est quand même assez incroyable. Pourquoi? Parce que il a pas la même couleur le jour et la nuit, je crois. Donc il est quand même assez joli. Je vous l'affiche à l'écran. Donc si vous ne le connaissez pas, on le voit quand même assez. On le voit quand même beaucoup ce skin. Donc ce qui m'étonne pourquoi il est rare, mais bon, bref. Donc le prochain skin, tout simplement, on va partir pour Noël. Donc c'est l'un des skins de Noël le plus rare. Donc c'est Codman Elf. Donc je vous l'affiche à l'écran. Donc c'est un lutin qui est sorti qu'une fois apparemment dans la boutique de Noël. Et donc je l'ai mis dans cette vidéo parce que je trouvais qu'il était important. Donc c'est un skin que moi j'aime pas, parce que moi personnellement les skins de Noël c'est pas trop mon truc, je vais pas vous le cacher. Et du coup bah je vous le mets à l'écran. Et bon, on passe au prochain skin car je n'ai rien d'autre à dire sur ce skin. Donc le prochain skin tout simplement c'est l'un des skins les plus rares du jeu. Donc c'est la Jalonneuse tout simplement. Il est dégueulasse, moi je le trouve dégueulasse. Il est sorti qu'une fois dans la boutique. Pourquoi il est sorti qu'une fois dans la boutique? Car Epic Games l'ont mal vendu. Pourquoi ils l'ont mal vendu? Car la beauté du skin est pas ouf du tout. Un chapeau blanc comme ça, je vous le mets à l'écran, mais c'est pas ouf quoi, on va pas se le cacher. Donc
Voilà pourquoi il est sorti qu'une fois dans la boutique. Donc si vous l'avez, vous avez un skin rare, mais qui est moche en même temps. Donc le prochain skin, les amis, alors là c'est un skin qui est moins rare, mais qui est quand même assez rare. C'est le skin chevalier noir. Donc tout simplement, pour avoir le skin chevalier noir, faut être là à la saison 2. Et vu que il était dans le pass de combat, et déjà fallait acheter le pass de combat, et vu qu'il n'y avait pas de défi hebdomadaire à ce moment là et ben il fallait jouer énormément pour avoir ce skin. Et ce skin est quand même assez stylé, je vous le mets à l'écran. Clairement c'est l'un de mes préférés skin, mais même si la Renegade Rider est quand même très belle, voilà, on va pas se le cacher, mais voilà. Donc si vous voulez une partie 2 sur les skins les plus rares, vous me le dites en commentaire. Si vous voulez que je le fasse avec des outils de collecte ou les danses, comme le floss qui est quand même assez rare je crois, donc vous me le dites en commentaire. Donnez-moi des idées de vidéos aussi, même si j'en ai particulièrement dès qu'ils vont arriver, comme ma playlist de confinement, les albums que j'écoute pour me redonner du moral. Et donc tout simplement, moi les gars, moi je vous dis à plus. Ciao ciao.